Et bonjour, et bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale pour vous dire qu'à une période j'avais fait les énergies de la semaine et c'est vrai que j'avais arrêté parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de chaînes qui faisaient des énergies et je me disais que bon, bah, encore faire des énergies qui ne se différencient pas des autres, c'est peut-être pas la peine. Donc j'avais arrêté pour ça parce que je trouvais qu'il y en avait déjà beaucoup et c'était un peu ridicule de faire pareil que tout le monde. Il y en avait trop, pour moi il y en avait trop. Et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas refaire des énergies, mais peut-être plus ciblées. Et j'ai pensé faire des énergies principalement sur notre relationnel, c'est-à-dire notre relationnel aussi bien avec nos collègues, avec le travail, le relationnel qu'on peut avoir avec les gens, nos connaissances, le relationnel avec la famille, nos amis, et puis les amours, notre partenaire également. Donc je me suis dit, bah, peut-être plus cibler les énergies pour être un peu une énergie différente pour que les gens ne retrouvent pas toujours les mêmes choses sur toutes les mêmes chaînes. Donc, je vais vous proposer pour à partir de la semaine prochaine un tirage donc pour la semaine qui sera donc un tirage au départ, un tirage général pour tout le monde, c'est-à-dire pas vous n'avez pas besoin d'être spécialement en couple. Donc, je ferai un tirage avec une carte des murmures de la nature d'Angela Hertzstein et de Joséphine Hartfield, pardon, et de Joséphine Wall, donc un carte oracle des murmures de la nature. Ce sont de très jolies cartes, donc elles nous donneront une énergie globale de la semaine. Ensuite, je tirerai une autre carte du grand oracle de l'amour, c'est un jeu divinatoire. Très sympathique de Colette et Gérard Lougaret. Je pense que vous le connaissez, parce que je l'avais déjà présenté. J'avais déjà fait des énergies, je crois, avec. Donc, ça sera ça. Ces deux premiers jeux nous donneront un ordre d'idée générale pour les gens aussi bien seuls ou en couple. Et on fera peut-être une autre carte en plus avec l'oracle des amoureux de Tony Camille Salerno. Et celle-là peut-être ciblera un peu plus les gens qui sont déjà en couple ou qui vont l'être sous peu. Ce sera vraiment ça la carte du tirage amoureux. Voilà ce que je vous propose donc à partir de la semaine prochaine. J'espère que ça vous plaira. Donc je mettrai la vidéo, je pense, demain, la première vidéo demain en ligne. Dites-moi si ça vous intéresse, mettez-moi un petit pouce pour savoir si les gens sont intéressés, si ça vous plaît. Même vous pouvez me laisser un petit commentaire, il n'y a pas de souci. Vous voyez, il est évident que ça parlera à certaines personnes et pas à tout le monde, parce que c'est un tirage général. Mais si vous pouvez me donner des fois des petites remontées de votre semaine pour que je sache bah, si ça a interpellé quelque part, si ça vous a interpellé ou si vous avez eu des connivences avec ce que je vous ai donné comme indication. C'est toujours intéressant de le savoir. Voilà, mais écoutez, je vous dis de passer une bonne semaine la semaine prochaine. Et puis je vous dis en attendant, passez un bon week-end et puis à bientôt.